Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Unravel et on va se lancer dans le niveau SAC. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, nous sommes le lundi 25 janvier pour votre guise. Et aujourd'hui je tente un nouveau concept, voilà d'habitude j'enregistre mes vidéos assis et puis là je suis debout histoire de voir si ça change vraiment quelque chose dans le dynamisme apparemment. Ah, stop avec 2 P. Stop PP. Stop le pipi! Bah, peut-être qu'il y a une différence dans le dynamisme. C'est vrai que j'avais déjà essayé auparavant sur Unfinished Swan. Et. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était fait voler le petit dessin là. Attention. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe, Gordon Ramsay? Ouais, je sais pas ce qu'il fait ici. Il en a eu marre de la cuisine, peut-être. On a déjà face à une énigme? Oui, donc je disais, j'avais déjà fait ça sur Unfinished Swan. Et apparemment c'était une de mes meilleures vidéos et il y a des gens dans mon entourage qui à l'époque regardaient beaucoup mes vidéos qui étaient en mode putain, on dirait que t'as pris de la drogue. Franchement sur un jeu aussi calme c'est assez perturbant. Et je trouvais justement que le contre-pied était assez intéressant parce que un jeu où c'était bah, de la balade et tout ça, le fait d'être justement hyper actif. Mais j'avais pas pris de drogue, hein. Franchement je me drogue pas du tout. Et je trouve ça assez rigolo qu'on me dise ça, pour le coup. Allez, bah... En vrai, je sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut descendre, remonter? On est déjà à ce stade. Ok, donc apparemment... Il se pourrait que la suite soit ici. Alors, comme d'habitude, je rate mes sauts, ça c'est plutôt pas mal. Allez, j'ai regardé mon premier épisode, je me suis dit, oh la vache, le gameplay niveau nul. C'était assez incroyable, je dois bien avouer. On est de retour ici? Ah, ok. Non, j'étais perdu, je croyais que j'avais déjà été plus loin. Je risque d'éternuer à tout moment, ça va être génial. Ok. Bon, je vois que j'ai une corde ici. J'ai quand même l'impression que j'ai pas fil illimité là, hein, donc va falloir que je sois très sage quant à mes dispositions, voyez-vous. J'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de longueur là déjà. Si. Ça a l'air pas mal pourtant. Enfin, je vois qu'au niveau des jambes ça commence à se rétrécir, mais... Apparemment, pas de soucis là-dessus. J'aurais pu même aller plus loin. Alors c'est vrai que... Attends, comment je fais là? J'ai vu dans l'épisode précédent que... Enfin, pas dans l'épisode précédent, qu'est-ce que je raconte? Quand je me suis rematé le premier épisode... Hein? Où est-ce qu'il faut aller? Je me suis rendu compte qu'il y a des fois, quand on fait les mouvements de balancier... C'est assez désagréable à regarder. Parce que la caméra suit, mais pas trop. Assez étrange, j'avoue, comme truc. Bon, on est bien d'accord que c'est par ici, de toute façon. Pour réussir à monter là-haut, le truc, c'est que je me cogne des deux côtés. Ok. Putain, bah c'était ça en fait. J'ai pas trop compris ce que j'avais. Pardon. Attends, mais. Non, me remets pas. Oh putain. Ok, de retour ici. Bah, j'avoue que je sais pas trop ce que je dois faire. À part ça. Voilà, qui me ramène en arrière. C'était pas du tout ce qui était prévu. Moi je voulais juste à la base continuer mon chemin. Ok. Ah, ça fait plaisir quand on avance un tout petit peu. Là vous allez voir que j'ai fait déjà 10 minutes de vidéo. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Et en gros, j'avais pas du tout avancé en 10 minutes. Là d'un coup j'ai eu un éclair de génie, donc j'avoue que c'est assez cool pour tout le monde. Ça fait quoi si on appuie sur le bouton? On peut pas. C'est pas un bouton, c'est juste un cache à prise. Ok, bon. Là c'est un peu chiant. Oh. Oh, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, c'est assez dégueu, non?
Ok. Et maintenant? Ah d'accord. Oh putain, mais là à quel moment j'aurais pu savoir que c'était sur le même plan? Tu vois? Bon là ça allume. Ah, c'est vraiment pas très... Voilà. C'est pas très agréable. Ah non! Ils vont me manger. Mangiare. Oui, bah maintenant qu'on est là. Ah! Non, ça, je peux pas le déplacer. Et si je fais ça? Bah alors? Le jeu Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On est d'accord que je vois pas ce qui se passe là sur mon écran. Il n'y a pas d'indice particulièrement particulier qui me ferait dire. Ah d'accord. Ouais, il y a la prise en dessous, mais entre-temps. Ah oui! Attends, mais... C'est quoi ces ninjas? Je suis désolé pour le niveau d'entertainment qui est vraiment mauvais là. Mais j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Et pourquoi ils m'en veulent? Genre, depuis quand les cafards, ça mange de la ficelle? Là, il y a un truc à faire avec le fauteuil pour qu'il puisse être en train de rouler, c'est qu'il y a quelque chose. Mais... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre là, est-ce qu'il y a vraiment une interaction avec la prise? Ou juste il faut pousser la chaise? Je sais pas. D'accord. Ah ouais! Non mais à quel moment je suis censé deviner ça? Hormis le fait que je suis un génie. Ah! Mais comment j'ai fait auparavant? J'arrive plus à sauter. Ok. Donc ça va être un jeu de lumière en fait. Comme prévu. Ah ouais, par contre c'est chiant. Mangiare. C'est de pas tomber trop loin. Et là? Ah, et là j'ai assez de hauteur. Ah mais putain, en fait, c'est tellement pas dur, mais je suis tellement con, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, ok. Ah non, c'est pas ça. Ah putain, mais je suis con. Je suis vraiment une bille, hein. Genre l'épisode 2, j'avais fait la même erreur. Je m'étais dit, attends, mais comment ça marche ici? Alors qu'en fait, il suffisait juste de relier et la porte et putain de casque là. Voilà. Et là? Oh. Oh, tu déconnes? Il y a tellement de monde dehors aujourd'hui, ça me déconcentre aussi. Allez! Oh putain, tu vas nous le donner ce truc-là? Je te rappelle que tout est de ta faute, hein. D'accord. Ah putain, ça va être une histoire de timing. Et zone safe, c'est les trucs verts. Quoi? Bah attends, mais il a mis beaucoup moins de temps que les autres fois.
Non, je vais pas trop rager dans cet épisode, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quoi, mais c'est hyper irrégulier. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oh putain, j'ai plus de longueur, mais comment je fais? Il y avait un truc à gauche? Ça, c'est vraiment c'est niveau de jeu nul. Il est où? Ah putain, c'est tout à gauche le truc. Ah, mais j'aurai jamais le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ah putain, j'ai hésité. J'aurai jamais le temps. Si c'est bon. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, selon quel procédé chimique ça arrive, ça que genre la foudre en fait elle fasse ça sur les tuyaux électriques. Enfin. Hein? Comment j'arrive là-bas? Ah oui, en me balançant. Il ne faut pas toucher le fil. Et là, je m'en vais, c'est ça? Non, même pas. Est-ce qu'on tente un... J'ai totalement perdu les timings. Hein. Mais... Moi je veux bien qu'on rigole si tu veux. Mais pourquoi cette ficelle se noie d'une? Et pourquoi elle prend la foudre? Ok? Bon alors faut que je recompte. 1, 2. Parce qu'en fait soit je parle ou soit je compte. Mais je peux pas faire les deux. Hein. Bon, dites-moi qu'on est débarrassé de ce truc de faire 1, 2, 3. D'une part, c'est chiant pour moi. Et pour vous, c'est impossible à écouter. Et, D'accord, bah... La mort, quoi. Je sais pas si le son est encore trop fort dans les oreilles. En tout cas, moi, il est un petit peu. Je dois bien avouer là-dessus. J'ai le baissé encore un peu. Donc j'espère que pour vous, ça va dans les oreilles. Bon. En termes de platformer, là, on est où sur une échelle de Mario? Ah putain, je viens de voir un truc sur lequel je pouvais m'accrocher. Par contre, pour le choper, vas-y. Ah, c'est bon, je le vois. Quoi? Oh là là, c'est dur hein. Mamacita, mamasa, mamamakosa. Ok. Et là je fais... Get ça. Là, j'essaie de pas me... Ouh putain. J'essaie de pas me faire électrocuter. Voilà. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui m'a lancé? Oh, je demande un replay. Je sais pas si je penserai à le faire au montage, mais je demande quand même un replay là. Ah, oh.
En plus, je vous jure que j'ai pas lâché ma touche. Hein. Donc, je sais pas ce que ça fait si je monte avec le truc. Ok, ça a l'air d'aller jusqu'ici. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. De toute façon, je suis obligé d'y aller là. Je vais me faire griller. Non. C'est ok. Voilà mon pote. Bon, ensuite. Je suis vraiment pas rassuré quand c'est des. Quand c'est des phases comme ça où genre tu peux rien faire. Mais il y a des moments où juste tu peux. Comment dire. Tu vois. Genre à chaque fois c'est. D'un coup il faut que tu y ailles. Je sais pas si tu comprends le truc. Oh non mais là. Là je pouvais rien faire, on est d'accord. Le truc il a pas sauté au bon moment. Ouais. Ok. Ah ok. Je crois que j'aime bien faire marteler le cul. Allez. Ah putain je viens de le voir. Ok. Eh ben. D'accord, et ça qu'est-ce que c'est? Hein? D'accord, ok. J'ai pas compris. Je suis vraiment nul en mécanique moi. J'ai jamais été fort en tout ce qui est technologie ou trucs comme ça. Mais ça va trop vite. Ah. Ah mais ça le range direct. Comment je fais ça? Je crois avoir vu un truc. D'accord. Ah ouais, putain, bien vu. Alors je sais pas si je l'ai fait au bon moment. Normalement ça devrait bloquer la plateforme ici. Voilà. Donc là je fais ça. Oh putain j'ai eu peur. Bon t'arrêtes de sauter un petit peu partout l'eau. Ok. Bon je me suis mis accroupi, je crois que c'est ça la position. Parce que putain rester debout c'est dur hein. Surtout si je fais un épisode de 50 minutes. J'ai déjà bossé debout mais alors là pour se concentrer c'est hyper chaud en fait. J'ai failli mourir moi. Ah non il y a encore des bestiaux. Bam. Tu flippes hein. Quelle espèce de taré a osé nous voler. Un clown à la gomme il porte un costume bon marché. Lui c'est pas un problème. Le problème c'est Batman. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh! Oh bah dis donc. C'est potentiellement un fail hein, ce que je viens de faire. Voilà. Ah non, ok. Oh putain. Alors là, il faut trop différencier le... Putain. Le moment où tu dois tirer, escalader, etc. Ah! Ah, je peux aller jusqu'ici? Mais c'est... ça va, en fait. Quand tu meurs pas à tous les coins de rue, c'est pas mal. Bon. Allez. Ah, putain, je l'ai.
Et oui, mais à chaque fois ça reprend le procédé que je là, 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 auquel je pense jamais. Et là? Pourquoi j'aurais fait ça en fait? Parce qu'il va y avoir des bestioles partout maintenant. Je pense qu'il compte là-dessus, hein. Hé hé! Ya! Ah putain. Mais c'est instant kill, c'est nul! Encore dans l'eau, je pouvais un tant soit peu nager. Et là, non. Bam! Oh putain, enfin la fin du niveau. Le truc qui me dégoûte le plus dans les épisodes sur Unravel, c'est que souvent, genre je finis l'épisode. Enfin, je finis le niveau mi-épisode. Donc là, je suis pile à 31 minutes. Et après, on entame un nouveau niveau. Truc que j'aurais aimé faire, c'est faire un niveau par vidéo, mais. Pff. Soit je galère trop, soit je fais pas assez de montage. Truc que je pourrais faire, c'est couper plus de séquences inutiles, ça j'avoue. Mais le truc, c'est que. Dans un jeu entre guillemets poétique comme ça où t'as pas tellement d'histoire racontée, je sais pas trop quel moment couper par rapport à un autre, tu vois. Parce que en soi, ils se valent tous vu que c'est de la plateforme. Je vais pas être en mode bon bah là, là j'ai mal sauté par rapport à là. Pff, ce serait un peu étrange. J'avais vu qu'il y avait d'autres niveaux dans le coin. Oh! Ah, on peut avancer ici? Mais c'était pas. C'était pas ouvert avant. Si? Quoi, mais. Mais quoi? Je comprends rien. Nilsson et Sonner. Ok. D'accord, donc les autres niveaux sont ici. Truc, c'est que j'ai même la corde limitée ici. La lettre. Et bah ben voilà, niveau suivant. La lettre, je sais pas du tout quel niveau c'est au final en termes numériques purs. Je vais aller chercher dans le nombre de chapitres qu'il y a dans le jeu, je sais qu'il y en a à peu près 12. Mais alors le nombre de chapitres. Pardon, pas le nombre de chapitres. On serait apparemment au 8ème. 8ème sur 12. Ouais, j'ai décidé de faire ce niveau from scratch, dans le sens où en fait j'ai envie de le faire dans un épisode entier. Ah oui, on repasse par là? J'ai l'impression que c'est là où il y avait les produits chimiques, mais pas la même saison du coup. Tu vois ou pas? Est-ce que je peux... Ah oui, on peut mourir. Non, on peut pas mourir, mais c'est intéressant quand même. D'accord, et ça va jouer sur une physique un peu genre destruction et tout. Il va falloir faire attention quand on saute ou qu'on atterrit, je pense. C'est peut-être totalement faux, mais bon. Quelque chose me dit qu'il faut s'accrocher ici. Pas du tout ce que je fais. Ça part sur un fail total. Ah, ok. Ah non, mais ça me fait deux fois la tour de corde. Merde, je veux pas faire ça. On va recommencer tout de suite, hein. Je vais pas perdre deux longueurs, hein. Nanana, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On a vu en dessous de l'eau. Est-ce qu'il y aurait caché des petites capsules potentiellement? Ce serait malin. Poing. Allez. Poing. Ils auraient pu mettre un son un peu plus fun pour ce truc là. Enfin je dis ça. Voilà. Rien ne les oblige. Hein. Et je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait pour Unravel 2. Parce que j'ai vu qu'il y avait une suite.
Mais du coup, je suis curieux dans le sens où... Bah, dans le sens primaire du terme curiosité, quoi. Je sais pas quoi rajouter. Mais parce que j'ai vu qu'il y avait un personnage bleu en plus du rouge. Est-ce que ce seraient les deux filles qui sont amoureuses qu'on avait croisées dans un niveau précédent? Tu vois? C'est ce genre de questions qu'on se pose ici. Hop. Ça va jusqu'ici, c'est assez instinctif. Et je trouve que le décor enneigé, bah, potentiellement peut faire ressortir plus d'informations. Plus de trucs où... Bah, notamment les nœuds rouges, hein, sur du blanc, ça va mieux ressortir. Voilà. Oh. Ça va mieux ressortir. Et puis... C'est cool quoi, moi j'aime bien quand il neige. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus team hiver ou team été. Hop, on va les faire flipper un peu. Ok, il y a la musique de combat qui se déclenche. Enfin, c'est pas de combat, mais. Ah si. Ils m'en veulent vraiment en fait. Enfin, il y en a un qui m'en veut, j'ai l'impression. Ok, tout est une question de timing. Ah! Ah, mais ils sont trop forts! Putain, j'ai oublié que c'était des oiseaux, genre, qui voyaient bien le mouvement. Ok, il y a des mecs qui courent dehors, c'est assez impressionnant. Parce que les mecs font un 100 mètres, un 10 mètres, un 88 mètres. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Là, je vais me faire racketter ou pas? Ah oui, là, c'est mort. En fait, faut tracer. Tu vois, genre. Apparemment, j'ai l'impression d'être en train de maroufler parce que c'est pas la bonne façon de faire. Et qu'il me manque peut-être quelque chose. Genre, est-ce que pendant que je suis relié à une corde, il me voit pas? Ok, là, il lance plusieurs assauts à la suite. Je ne sais pas quoi faire. Oh putain. Mais là, ils sont vraiment vindicatifs. Hein. J'ai l'impression que plus j'attends, plus ils m'en veulent. Oh, oh putain. Ou alors faut qu'il me soulève. Et à quel moment il décide pas de marcher jusque moi, tu vois? Parce qu'en vrai il y en a un qui se met sur le poteau et je suis baisé. Et il y en a un autre du coup qui attend à la sortie du saut. Enfin je sais pas, ils sont pas très tactiques les mecs hein. J'ai envie de te dire Ok, ça va être maintenant ou jamais. Ça va pas être maintenant. Là non plus. BAM! Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Ok, putain, point de sauvegarde. Depuis le temps. Mais vous êtes encore plus chaud qu'avant. Et là, en plus, il va falloir rebondir. Alors, je te raconte pas la guerre. Oh, putain. J'ai peur, hein. Ah, on n'est pas sauvé du tout. Ah si, c'est bon. Oh putain, la crise quoi. 10 minutes, j'ai fait... Allez, 2 mètres, même pas. Bon, toi, j'ai bien compris qu'il fallait t'amener ici, donc tu vas rester bien gentiment dans le coin, là. Oh quoi? Ouais. Oh quoi? D'accord, j'ai cheaté. Il n'y a plus de musique par contre, hein. Les mecs ont décidé que le fun était mort. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ma corde est buggée, on est bien d'accord. On va la refaire. À moins qu'il faille pas du tout l'emmener, mais ça m'étonnerait quoi. En général, quand il y a un truc qui est modélisé dans un jeu, t'as 80% de chance que ce soit pour quelque chose quand même. Je veux dire, on n'est pas dans The Last of Us. Part. Putain, quand la partie 3 va sortir. Ouh putain. Je sais pas ce que je fais. Hein. Ok, et ici on a quelque chose. Ici on a un autre nœud. Ça m'a fait roter tellement ça m'a fait peur.
que je fais, moi? Ah non, me dis pas qu'il va falloir faire... Faire monter la caisse jusqu'ici. Mais non, en plus, c'est même pas possible. C'est impossible, je peux pas... C'est trop vertical, quoi. Genre, ce que je dis ou pas. Le problème, c'est entre ce nœud-là et l'autre. Si je fais un nœud ici, il sera pas tendu. Je comprends rien. Colderhams. Ouais, l'esprit de Jamel est en moi, quoi. Et là, soit je le fais partir sur la gauche, soit sur la droite. Peut-être que là, ça m'a servi à rien. Là non plus. Donc, en fait, je repars de là. Je fais ça. Non, merde. Il était déjà mis. Hop, je l'attache ici. Et attendez, j'ai le téléphone, j'arrive. Ouais, de retour, bah du coup. Voilà, j'ai pas plus avancé que ça. Je pense être sur la bonne voie. Voilà, ça a l'air d'être ça. Après, est-ce que le cube peut monter quand il y a deux nœuds à la fois? Mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Tu vois, genre, est-ce qu'il va se coincer à l'intersection ou pas du tout? Ça m'intrigue vachement beaucoup. Non, ok, c'est bon. Eh ben, c'était moins compliqué que ça en a l'air. Donc, bénéf pour moi. Tout ça pour... Hein? Ah, ok. Je l'ai. Hop, je fais ça. Et là, je fais un autre nœud. Ça va tendre la corde. Le jeu, il tend vraiment la corde quand il le souhaite, hein. Mais au moins, il y a un côté positif, c'est que tu peux pas te tromper dans la direction dans laquelle tu vas, du coup. Parce que t'es en mode, là, c'est tendu, je peux y aller. Là, c'est pas tendu. Bah, je suis bloqué. Je peux rien faire. Là, je suis tout à gauche. Si vous me voyez pas, j'ai dû manquer quelque chose. Un truc sur la gauche, peut-être. Non, même pas. Genre là? Qu'est-ce que j'irais foutre là-dedans en fait? Ça se peut. Ah, je suis bloqué par ce truc en fait. Alors qu'il a pas l'air du même côté que moi. Je comprends pas. Non, en dessous y a rien. Bon bah de toute façon, ce nœud je peux le défaire. Ça, je peux l'amener un petit peu plus bas, c'est pas un souci. Bon, peut-être pas aussi bas non plus, ça va peut-être aller. L'américanisme. Parce que du coup, ce que j'aurais aimé faire... Donc ce nœud-là, je vais l'enlever. Voilà. Ah, c'est horrible les gens qui réfléchissent à voix haute. Hein. Écoutez, je fais de mon mieux. Pourquoi il est toujours mis celui-là? Ça me fout de toi. Donc là, c'est pas ça.
Bam bam bam, il rembobine. Il veut pas. Et donc si je vais ici. Celui-ci, je l'accroche ici. Est-ce qu'il me fait un nœud tendu? D'accord. Ah si, ok. Bon, j'ai plus beaucoup de longueur. Hein? Ah ok, on s'en fout en fait. Je me suis dit, bon bah voilà, faut tout recommencer. En fait, ça passe. Voilà, et celui-là, je le fais tomber ici. Normalement, il est retenu. Oh putain. Il m'a vraiment fait peur. Alors là, j'ai vraiment flippé de ouf. Hein. Ah non, tu déconnes. Eh ben oui, maintenant j'ai fait trop de nœuds, il faut que j'aille tout défaire. Hop. Celui-ci aussi. C'est long, hein. J'espère que vous vous amusez bien. C'est chiant de ouf. Bon, voilà. Hop, pour être sûr. Et là, j'ai la longueur. Ah, d'accord. Eh ben, pas facile ce niveau, hein. Ok. Ouais. Oh putain. Oh l'échec. Oh là, c'était nul ce que j'ai fait. Allez. Non, bon, pas deux fois. Hein. Le truc, c'est qu'avec les chaînes pour se balancer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, autant avec la lumière, là ça va. Là ça va, Diara. Excellente celle-ci. C'est super cool en tout cas les trucs au premier plan. Hein. J'aime vraiment beaucoup cette idée de gameplay. D'accord. Ce truc là, à mon avis, je peux le ramener. Voilà. Je fais ensuite. Ah si! Ah putain, ok. Des fois ça saute pas aux yeux donc. Des fois faut vraiment réfléchir hein, et ça c'est pas mon fort. Attends, il doit y avoir quelque chose à gauche non? Est-ce qu'il y a un risque de chute? Il nous arrive de chuter. Mais un jour. On se relèvera. J'ai pas l'impression que ce soit maximax possible de tomber en fait. Ou j'ai cru voir un corbeau. Ou alors j'ai rêvé. En tout cas, j'ai plus de longueur. Ah, ça fait du bien quand on a juste à ressortir et tout. Bon. Alors. Ah bah non, ça recommence du coup. Mais alors tout ça pourquoi?
Ah, la guerre. C'était pas plus compliqué que ça. Oh la vache, il y a une pie, elle est arrivée juste juste à ma fenêtre. M'a fait un peu peur. Ah non mais la bite quoi. Genre le mec peut vraiment perdre dans un niveau comme ça, j'allais dire. Ok, bah on s'en va. J'ai assez de longueur là. Ok, on a 22 minutes. Je peux le faire. J'ai rien pour me cacher. Ah là là, comment je vais faire? Bah, je suis mort. Mais il y a rien. D'accord. Donc là c'est foutu en fait. D'accord. Bon, on recommence, c'est pas grave. Faut que j'arrête de dire d'accord peut-être. Donc en fait, sage la grippe. C'est ça? Je fais ça. Ensuite ça. Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais non, mais ça marche pas du coup. Là, c'est pas assez. Ah si. Ah putain, c'était juste ça. Ok. Ah mais oui, mais ça change tout alors. À part le fait qu'il soit pas dans le bon sens. Est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Et là on est invincible. Et là mon pote, ça c'est du gameplay 20 sur 20 ça. Je sais pas si c'est fait exprès. Peut-être qu'on devait juste avancer petit à petit. Oh, mais il y en a un qui va nous faire une arnaque. Peut-être que je peux jamais ressortir en fait. Eh, s'ils ont pensé à tout. Bien joué, hein. Franchement, bien joué la physique. Ça va aller assez épaisse. Oh! Qu'est-ce que je viens de voir là? Oh! Oh non! Oh, tonton. Comment je vais... Faut être super balèze. Bon, je peux pas. Et j'ai la flemme. Allez, on continue. On cherche la lettre. Du moins, c'est le nom du niveau. Oh, j'entends un chien. Super, ça. Bon, c'est vraiment génial. Jusqu'où je peux aller? D'accord. J'ai pas compris. Pourquoi le nœud il fait rien? Pardon? Mais il faut bien que j'emmène la roue avec moi. On va le refaire. Toi, tu viens là. Bon, tu veux pas. C'est peut-être ce nœud-là qui pose souci. Donc, on va le refaire. Voilà, toi, tu dégages. Et toi, je te noue. Oh, bah tiens, ça marche. Tiens, c'est dingue. Ça, c'est vraiment la folie. Ça, c'est de la folie furieuse, hein. Je m'y connais pas. Voilà, tu vas éviter de me casser les pougnettes. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi j'ai fait allemand. Mais qui se dédouane de la pire manière. Les pires. Lâche-le, c'est bon, il va rouler. Bon, je pensais qu'il allait rouler beaucoup plus vite.
Ah. Je suis pas mort. Alors. Ok. Peut-être qu'il venait d'acheter la maison. Est-ce qu'on t'aide? On n'a pas le choix. T'as de la chance, hein. Bon, après, c'est peut-être pas toi qui m'as fait du mal. Voilà. Tu vas m'aider maintenant? Tu vas me bouffer? Ah, c'est cool ça. Yeah! Bon, il y a peut-être moyen de mieux se caler, mais. Là, j'ai filé infini. Oui! Ah putain, on aura fait un niveau en 30 minutes! Oh, j'ai peut-être enlevé la malédiction du. De l'épisode mi-chemin. Qu'est-ce que c'est? Un perroquet? Ouais, un oiseau. On peut appeler ça un perroquet, effectivement. Parce que tous les perroquets sont des oiseaux, mais tous les oiseaux ne sont pas des perroquets. Main tendue. Il ne reste plus que... Attends, on était au 8, 9, 10, 11, 12... 4 niveaux? Mais c'est impossible! Ça va être un let's play plus long que prévu, hein. Moi, je croyais que pour 3€, 2-3€, j'allais faire ça en... Allez, 4 heures, même pas. Eh ben non, mine de rien. Eh ben vous savez quoi, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao.